Salut à tous, c'est ZDSX. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur comment copier des objets invisibles. Donc j'avais fait un tuto du coup pour les objets orange. Donc vous allez retélécharger le fichier pour les orange. Et sur mon serveur Discord, du coup j'ai le nouveau pour les props invisibles. Une fois qu'on a les deux fichiers, on va les ouvrir les deux. Et on va rechercher HXD. On va faire fichier, ouvrir et on réouvre le même pack. Donc le package 10windows.ucas. On fait ouvrir. Et là on fait CTRL R pour remplacer des données. En valeur hexadécimale, on va prendre le orange d'abord. Voilà, du coup l'orange a été bien fait. Maintenant on refait CTRL R. Sauf qu'on vient prendre les deuxièmes valeurs dans White Copy. Donc après les deux points de à côté normal, on sélectionne tout, on met là-haut. Et en dessous, on sélectionne tous les 666 et on les met ici. On fait remplacer. On fait OK. Du coup, comme vous pouvez le voir ici, j'ai les FFFFF. Ce qui signifie que ça, les valeurs sont bien changées sans avoir une petite message. Donc, on peut sauvegarder. Et on peut lancer l'Epic Game Store. Et on peut lancer Fortnite. Ok, du coup, on se retrouve en créatif et comme vous pouvez le voir, on peut bien copier les distributeurs par exemple et faire comme ça par exemple, je sais pas, faites ce que vous voulez avec, et on peut aussi copier les devices du BR. Par exemple, on peut pas en placer deux simultanément, enfin on peut en placer qu'une seule fois dans la map, sauf les deux là, faut croire, et peut-être que lui. Ok, donc c'est le setting de map, on peut pas le mettre en deux fois. Puis vous pouvez aussi copier du coup tous les autres props orange. Et aussi vous pouvez sélectionner et les props invisibles et les props orange. Bah voilà, c'est tout pour ce tuto, on se voit la prochaine fois pour un nouveau glitch. Salut!